Je vous propose de découvrir les builds de la communauté, donc n'hésitez pas à proposer votre combinaison en commentaire et nous testerons ceci ici, en live, ou alors tout simplement, moi en off, je tournerai quelques épisodes et je verrai ce qui en ressort. En tout cas, nous commençons donc cette série par la proposition de Big D-Ben qui évoque le profil, le Alert à Malibu, si bien baptisé, à savoir avec Nous y arriverons, qui est une perk qui permet d'améliorer la vitesse de soins une fois que vous décrochez quelqu'un. Nous avons Accrochez-vous avec une compétence qui permet de voir l'aura du tueur si vous sortez quelqu'un d'un état critique. Nous avons également Mesure désespérée, qui est une perk qui permet d'avoir une vitesse de soins en fonction du nombre de survivants blessés dans l'équipe. Et nous avons Sursis, Feu sur la réserve, hein, c'était son ancien nom, maintenant ça s'appelle Sursis, qui permet tout simplement de donner un hit supplémentaire à quelqu'un que vous décrochez, cette personne, si elle est décrochée pendant quelques secondes, donc 12 secondes, elle bénéficie du statut Endurance, ce qui signifie que si elle prend un hit de la part du tueur, elle a le droit à un Joker. Donc voilà, je vous laisse découvrir ceci et je vous dis à tout de suite. Qu'est-ce qu'on a là? On a une imagination débordante de la part de Big D-Ben qui consiste à envisager un personnage altruiste comme pas deux. Un survivant qui est là au service des autres survivants à travers son build Alerte à Malibu. Alors, en espérant bien sûr qu'il n'y a pas de tueur qui soit totalement sneaky snake et qu'on puisse entendre son aura terreur. Parce que si on a un ghost face ou bien sûr un cochon ou encore je sais pas, un Myers qui pourrait nous surprendre ici et nous gauler, eh bien ce serait bif bof. Si je tombe le premier, ça nuit au build qui est qui mise principalement sur le secours aux autres. Bon, par chance, on a quoi? Par chance, on a... Oh. Qu'est-ce que tu veux faire? J'attends ici. Oh, on va aller là-bas. On va essayer de lui venir en aide. On va essayer de lui venir en aide. Hop. Ok. On va essayer de lui venir en aide parce qu'on a probablement... C'est ça. Hein. On va avoir le beau... Voilà, on va l'aider quand même. Voilà. On va lui faire perdre du temps. Et c'est nous qui allons tomber, hein, dans cette histoire. Hein. Non, ok. Ah, c'est nous qui allons tomber. C'est nous qui tombons. Alors, je suis altruiste, mais le concept même de mon personnage, c'est de ne pas tomber en premier. Bon, j'en ai sauvé un. J'ai fait un genre d'altruisme, hein. Je l'ai sauvé quand même. J'ai joué mon rôle. Mais quand même, je l'ai un peu trop bien joué. Big D-Ben, c'est pour toi. Je l'ai un peu trop bien joué. Trop altruiste. Trop alerte. Trop mal ému. Oh. Ça m'a stressé, cette histoire. J'espère que les autres vont venir m'aider, hein, parce que là, pour le coup... Ça veut dire être au service des autres, mais tomber après les autres. Alors, en espérant que ce Dwight ne va pas tomber, et qu'il y en a un qui va venir. C'est vrai qu'on est dans la map de ces morts, là, pour le coup. Avec une légère difficulté d'orientation. J'aurais peut-être dû le laisser y aller... Là, vraiment, il faut réfléchir ce build de cette manière-là. Il faut, en l'occurrence, il aurait fallu que je laisse tomber, en fait, hein, ou que je suive, ou que je reste pas loin. De cette manière-là, probablement, j'aurais pu lui venir en aide. Après coup. Est-ce que je vais passer en P2? Il y a des chances, est-ce que je passe en P2 dans cette map de ces morts? C'est pas grave, je joue le jeu. Hop. Allez, passage en P2. Hop. On a tenté le 4%. Regardez comment c'est galère pour eux. Regardez comment c'est galère pour eux. Dans cette map. Mais peut-être que lui va venir. Hein. Je suis passé P1, P2. Donc, enfin, P3, mais P1, P2. À travers ici, avec ce droit qui va venir m'aider. Alors, bien sûr, je vais d'abord le soigner. Parce que
que c'est le concept de mon perso. Allez, hop là, je te soigne. Non, non, je te soigne. Je te soigne. Arrête, tu me saoules. Je suis altruiste ou je suis pas altruiste, là? Et après, je me soigne. Ok. Je vais pas rester là. Parce qu'il est probablement invisible. Si je tombe, je meurs, hein. Ok, ok. Ouais, soigne-moi. En l'autre va l'aider. Voilà, c'est bien ça. Attends, c'était quoi ce con? Ce hit? Oh, l'enfer. Il faut faire quelque chose là. Hein. Peut-être réparer un moteur. Je sens que le pauvre... Oh, le pauvre Steve, il va tomber. Il faut faire quelque chose là. Est-ce que c'est... Est-ce que je n'aurais pas cassé la dynamique en tombant en premier? Faut réfléchir ce build comme ça. Hein. Je teste, du coup, si je suis altruiste et si vous avez un pool de compétences destiné à aider les autres, en l'occurrence, il faut vous préserver vous. L'ambulance, si elle tombe en panne, il n'y a plus d'ambulance, il n'y a plus d'altruisme. L'église catholique, si elle est investie de démons, il n'y a plus de prêtres pour exorciser la pauvre Émilie Rose. Je sais pas. Si il n'y a pas de... s'il n'y a pas de spécialiste en vin, il n'y a pas de bouteille de vin. Bref, vous avez compris, évidemment, l'allégorie extrêmement pointue qui concerne... Oh. Oh, est-ce qu'elle serait pas venue là? Parce que si elle a un réparateur, elle sait que je suis là. Je suis condamné en tant qu'altruiste, en tant que spécialiste de vin, en tant qu'exorciste. Oh. De toute façon, il y a des chances à ce que je sois condamné si... Ok. Non! Elle le suit, lui. Ok. Bon. Faire le moteur. Je fais ça, et après je monte. Comme ça, je ferai les deux pièges. Je cours le risque. Franchement, je cours le risque. D'avoir... Oh. Premier, faudrait que j'aille à la bibliothèque. Deuxième est en haut. À la bibliothèque. La bibliothèque est-elle ici? Non, non, non. Ok, est-ce qu'elle est là-haut? Ouais, cette foutue bibliothèque. Elle a peut-être dû monter, hein. Alors là, c'est non. Ah, là? Non, oh. Non, non, cucu. Elle est là. Très bien. Un autre poteur qui risque d'être fait là dans quelques secondes. Ce qui serait bien. Oh, ah, c'est vraiment fourbe ici. Cette localisation là de piège ici. C'est vraiment le bout de l'univers. Enfin, l'autre bout de l'univers par le haut, hein, si bien sûr l'univers n'était fait qu'en 3D. Oh oui! Ah, ça c'est bon ça. Oh. Je crois que le Steve est suivi. Hein. Le Steve est suivi. Et ça, c'est bon. En espérant, là, cette fois-ci, qu'il n'y a pas... Quoi donc? De Noed. Noed ici, mon gars. Aïe, aïe, aïe. Et bien, en qualité d'altruiste de niveau interstellaire, on va chercher voir où se trouve... Oh, le Noed. Mais il trouvait le Noed ici, sans déconner. Et le dernier, il se barre. Parfait. Comme prévu, j'ai envie de vous dire. Ok. Il y en a un qui était relevé. L'autre qui était reposé. Ah, ça m'arrange pas trop, hein, cette histoire de... Le survivant qui... Oh. Peut-être ici dans les douches. Oh, je peux te soigner ici. Je peux te soigner. Ah ouais, tu cherches peut-être pour pas exploser. C'était un bon plan. Ne pas exploser est une bonne idée. Ce que j'ai ici... Petit totem, non, hein. C'est compliqué. Là. Ah, je peux peut-être venir le sauver. Avec sur la réserve. Ok. Il le voit. Ok, go. Allez.
Fuis, petit patapon. Ok. Ok, ok. Bon. Je l'ai sauvé comme j'ai pu. Je sais pas pour le dernier. Qu'est-ce qu'on peut? Ok. Ok, ça c'est bon ça. Oh, ça c'est bon ça! Oui! Oui! On a servi! Oh oh oh! Ouais, fais quelque chose sans déconner là. Viens maintenant, allez, bien sûr! L'altruisme, alerte à Malibu, validé avec comme impératif de devoir éviter de tomber en premier, sinon l'alerte n'est pas si Malibu. Les lobbies nous proposent comme profil le bruiteur. Le bruiteur est pourvu de 4 compétences, à savoir l'heure qui donne un signal sonore. Une fois que vous avez commencé à réparer un moteur, eh bien, il est marqué. Et si vous vous éloignez, vous allez dans un placard et ça produit un effet sonore sur ce moteur. Donc c'est bien pour attirer le tueur. Nous avons aussi par tous les moyens, qui est une compétence qui permet de voir les palettes qui tombent et vous pouvez les relever en prenant 4 secondes, évidemment. Et nous avons Supercherie qui, elle, est une compétence qui permet de donner une alerte sur un placard à côté duquel vous passez. Imaginons, vous courez, vous êtes suivi, vous arrivez à un angle, et bien, en activant cette compétence, le placard s'ouvre et donne une alerte sonore comme si vous étiez rentré dans le placard alors que vous courez à côté. Et enfin, nous avons Diversion. Diversion est une compétence qui s'active lorsque vous restez dans l'aura du tueur pendant X temps. Auquel cas, ça vous permet de lancer un caillou à 20 mètres, auquel cas ça envoie une alerte au tueur. Donc, c'est le bruiteur. De retour à Silent... Mais non, Resident Evil. La map, bien sûr. Oh non. Ok, très bien. Le build de... Les lobbies. Qui nous propose le bruiteur. Le bruiteur qui ne marche, bien sûr. Seulement. Ok, non. Que si... Le tueur a une aura terreur. On va le laisser filer. On va tenter une ninja. On va tenter une ninja. Ça va être un peu présomptueux, mais... Ok. Bon. A priori... C'est passé. Le bruiteur a bruité. Bon, enfin, il n'a pas bruité, il a débruité, il a antébruité, il a antibruité. Bref, il a fait le contraire. Donc là, pour le coup, c'est intéressant. Très, très intéressant. C'était plus du move de skill que l'avantage d'avoir... Oh. Réseau. Ok. 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 Bon. Allez, le petit boost de vitesse, on va continuer. Non, on est arrivé trop proche. Allez! Allez! Je vais pouvoir continuer ici. Oh non, j'ai un move coincé là. Aïe, 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 aïe. Oh non, par la culotte. Bon. J'ai bruité. Vas-y, oh, il a ouvert les portes. C'est intéressant là pour le coin.
Intéressant pour moi. On a deux moteurs, un hook. En vrai, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est pas mal, hein, le coup de la diversion. On a encore vraiment de quoi attirer l'attention du tueur. Si par exemple, je sais pas, il y a... Ah, il y a une palette intéressante là-bas, j'ai l'impression. Ah non, c'est un moteur. C'est un moteur sur lequel on peut apporter une réparation. Ah oui, parce que c'est pas fini. Parce qu'il y a la compétence leurre qui est active là-bas. On peut le faire retourner, éventuellement, en allant dans un placard et réparer un moteur ici. C'est vraiment intéressant, hein. Mais on va se... Il n'y a pas de moteur, là. Pas de moteur, il n'y a pas de moteur. Il faudrait rentrer dans un placard pour activer. Oh non. Comment il m'a pourri le groove. Comment il m'a pourri le groove. Ok. C'est bon ça. Hein. Je vais essayer de récupérer un antidote parce que là, sinon, pour la partie, ça va être mal goupillé. Je récupère ça. Je récupère le soin. On va le faire retourner là-bas. Pour ça, faudra aller dans un placard. Non. Le truc, c'est qu'il poursuit quelqu'un. Il va pas s'arrêter de poursuivre. Ouais, finir éventuellement. Moteur là-bas. Ou relever cette palette. C'est vrai qu'il est là, hein. Non, il a fait un petit détour, là. Allez. 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 Si tu reviens par là. Petit chenapan. Ok. Ouais, elle suit là-bas, hein. Très bien, très bien. On va essayer de garder un maximum de contrôle. C'est de remonter pour finir ce foutu moteur main. Et va essayer de le faire tomber direct. Il faudrait que je trouve un moyen de monter, hein. Ok. Et dans le coin, j'ai l'impression. Il y a quand même des portes accessibles. Je sais pas s'il y a une palette ici, s'il a réparateur. Il n'a pas réparateur. Ok, allez, go. J'aurais pu monter, hein. Il me suit moi ou quoi? Ok. On va essayer de le faire partir dans l'autre sens. Ok. Et je crois que ça a marché, hein. Je crois que ça a marché. Je crois que ça a bel et bien marché. C'est pas mal. On a deux moteurs assez proches. L'un l'autre. Ok. Et bah merci à toi. Oh, c'est bon ça. Peut-être monter, hein. Peut-être monter ici. Hein. Il me semble qu'en suivant ce mur, il y avait des escaliers pour... Voilà, là, hein, ouais. Nous avions ce moteur-là. Oh non! Ce moteur qui était tellement avancé. Tellement avancé. Voilà ce qu'on peut faire. J'ai l'heure qui est active ici. Ce que je peux faire, c'est aller de l'autre côté. En vérité. Pour l'obliger à faire attention. Il va le récupérer. En espérant qu'il me voit ici. Une fois qu'il me voit. J'utilise l'heure. Voilà. Je fais ce qu'il faut. Je m'éloigne. Suffisamment.
j'utilise l'attention. Oh, il est concentré sur l'autre. Est-ce que se dit que le moteur est un danger potentiel? Je crois que je l'entends gémir. Ok, il est en bas. Il y a un moteur. Qui est là? On va voir s'il monte ici. On entend grimper. Nous sommes un bruiteur. Nous bruitons. Aïe 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 aïe. Ok. Ok. Nous bruitons. Je me soigne quand même, parce que mort, je peux moins bruiter. J'ai déjà vu cette condition. Hein. Très bien, très bien. Je m'en bien utiliser, ça peut être intéressant. Reste pas là. Voilà. Au moins, je prends le hit. Pour pas qu'elle tombe, mine de rien. Ok, ok. Je fais attention. Je l'ai quand même protégé. Ok, lui est là. Soigne-moi. Attends. Viens là. Soigne-moi. Je crois que l'autre est là-bas. Hein. Il protège ses moteurs. Allez, viens. On va s'éloigner. Pas s'éloigner, se retourner vers le moteur. L'objectif, c'est de refaire ce moteur. Oh, quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Il revient, revient. Wow. Ok. Ok. Oh non! Le tour est joué de ses morts! Franchement. Ouais, il décide d'aller quand même là-bas. Hein. Au bout d'un moment, faut arrêter de bruiter. Faut faire le moteur. Elle le fait au péril de sa vie. Si moi je fais que ça tout le temps, que faire du bruit, c'est problématique. Et avec... doit avoir un réparateur, oui. Oh non, on revient pas par là. Franchement. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce coup de spartiate là? Ouais. Allez. On va se soigner là. Ok. Ouais, ouais, c'est problématique là. Je veux venir là. Allez, viens. Je vais essayer de la récupérer. La relever. Allez, 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 allez.
à moins utiliser. Ça là-dessus. Il la suit. Je vais faire le moteur. Je vais pas seulement bruiter, je vais essayer de finir. Mais comment ça se fait qu'il peut à l'infini donner des coups de pied comme ça? C'est quoi le... C'est quoi le délire là? Il fait régresser à chaque fois le moteur de niveau Oméga. C'est quoi ce délire? Poussez-vous! Quel est donc ce délire? Franchement. Pardonnez-moi du peu, mais... Regarde là. Ok. Ah, oh, ça craint, ça craint, ça craint. Oh ! Quelle est donc cette horreur ? Ok, bon, ça c'est bien. Bon, il ne pouvait pas contrôler toute cette map, hein. De manière Oméga, comme ça. Franchement, le bruiteur, c'est intéressant, hein. Les yeux plus gros que le ventre, mon gars. Ok. Je vais essayer d'aller vers eux. Non, non, non. Ah. Qu'est-ce que ça craint, cette histoire. Bon, il voulait absolument lui, hein. Il était en pédeur. Allez. Allez, allez. Ah, j'utilise ma trousse de soin, de toute façon, au final, là. Allez, soignez-moi. Oh. Les mecs. Allez, soignez-moi. J'ai ouvert la porte de sortie. Il s'est dit que c'était bon. Il allait finir. Ok. Ok. Bon. Il a eu son bidule, il a eu son machin. Est-ce que moi... Mais non! Oh, c'est incroyable! Oh. Wow. Quel enfer. Ça a rien que j'ai. Ça sert absolument à rien. Que je fasse pas de bruit. Est-ce qu'il va le choper, hein? Vas-y, hop là. Hop là. Allez. Je vais mourir, hein. Mais non. Bon, je donnais ma vie. Ma vie de bruiteur. Oui, ma vie de bruiteur. Allez, sauvez-moi. Mec, je vais sauver la vie, fais quelque chose. Bon, les lobbies. Le bruiteur, je valide. Je valide. Ce qui est hyper intéressant comme manière de jouer avec le bruiteur, c'est qu'on a différents gameplay, en fait. On a différentes manières de jouer ici, dans la partie, ce qui conduit, bien sûr, à différentes dynamiques et différentes couleurs dans la game. Et en plus, ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un peu de fun. Pour le peu que vous ayez du skill, le fun là-dessus, ouais, vous êtes servi. Franchement, c'est une... j'aime bien. Ça fait une diversion évidente sur le... sur la partie, ça apporte de la couleur, ça apporte du teamplay, comme vous pouvez le voir. Très bien, génial. Allez, bisous tout le monde, merci hein.